Seigneur Jésus, nous voulons vivre ta mission d'amour ensemble dans un même esprit. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre célébration dominicale, à notre rendez-vous du dimanche, du jour de la résurrection. Et nous sommes rassemblés dans la joie et la foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Alors, je souhaite la bienvenue également et je salue les gens qui vont se joindre à nous par la télévision de TVC7. Et puis, je vous redis que, je vous le dis, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière pour les missions. C'est le dimanche qu'on appelle dimanche des missions. C'est pour ça qu'il y aura une collecte spéciale pour l'évangélisation des peuples, pour la qu'on appelait, quand on est dans notre jeunesse, la propagation de la foi. Bon. Et vous avez reçu à l'accueil le petit dépliant sur lequel est le thème de la journée d'aujourd'hui, avec les jeunes, apportons l'Évangile à tous. Pourquoi avec les jeunes? C'est parce que le pape, c'est le pape François qui a choisi le thème. Il y a un message approprié en relation aussi avec le même thème. C'est qu'actuellement, il y a un synode à Rome où sont 7 évêques canadiens, dont le cardinal Ouellet, cardinal Lacroix de Québec, l'archevêque de Sherbrooke, Monseigneur Cyr, Luc Cyr, pardon, et puis Monseigneur Gendron de Saint-Jean-Longueuil. Ce sont les francophones. Et puis, il y a des jeunes aussi qui sont là parce que le synode, ça porte sur la jeunesse. Les jeunes, la foi et l'appel vocationnel. Alors donc, on est en communion avec eux aujourd'hui. Et puis, on porte dans la prière le fait de apporter l'Évangile à tous, mais spécialement aux jeunes. Alors, en commençant notre célébration, nous reconnaissons humblement notre besoin de la miséricorde de notre Dieu et nous implorons son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as pris la condition de serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui t'es abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as été élevé au-dessus de tout, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous purifie de nos fautes et par l'Eucharistie que nous allons célébrer, qu'il nous garde en marche vers la vie éternelle. Et de même cœur, nous louons notre Dieu. Yeah.
Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à tout homme. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La première lecture du livre d'Isaïe, donc de l'Ancien Testament, de la Première Alliance. Alors, c'est à ce moment-là, ce sont des juges et des rois qui étaient l'intermédiaire ou qui étaient chargés de guider le peuple au nom de Dieu. Et souvent, ils abusaient. Au lieu d'être au service, ils se faisaient servir et ils abusaient du peuple. Alors, le prophète annonce qu'il viendra quelqu'un, viendra un prophète spécial qui va passer par la mort, qui va être un serviteur, qui va servir dans l'amour. C'est Jésus, notre Sauveur, qui déjà est annoncé. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils lui répondirent : Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez. » Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, Vous savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations, les commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en cette journée mondiale missionnaire, avec l'Évangile que nous venons d'entendre, les deux verbes qui donnent l'indication, qui ouvrent le chemin pour aider à comprendre notre rôle, comme c'est les deux verbes « servir » puis « donner ». Servir. Jésus qui dit, moi je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. On sait que
Les apôtres Jacques et Jean venaient de demander à Jésus une faveur d'être un à sa gauche, puis l'autre à sa droite dans le royaume des cieux. Alors Jésus dit, ben, c'est pas moi qui décide ça. C'est le Père qui a préparé cette place-là, puis c'est lui qui va décider. Puis là, ben, Jésus dit, les autres sont indignés. Puis alors là, Jésus leur dit, bien, vous savez, les grands de ce monde abusent du pouvoir. Ils se font servir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Le Fils de l'homme, moi, je suis venu pour servir, et non pas être servi, et donner ma vie en rançon pour la multitude. Donc, le deuxième verbe important, c'est donner. Donner sa vie, se donner. Donner de sa personne, donner de son temps. On peut donner des biens, oui, on peut, pour mettre en pratique la demande de Jésus, « J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as vêtu. » Oui, c'est très, très bon de donner des choses matérielles à des gens qui sont dans le besoin. « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » nous dit Jésus. Mais aussi, il faut se donner de son temps, de sa personne, se faire proche des gens qui sont dans le besoin, être compatissant, comme Jésus et comme le décrit la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture qui est lue. Notre grand prêtre, il est compatissant. Il était comme l'un de nous. Il s'est fait proche de nous. Il nous comprend. La seule différence, c'est qu'il n'a pas tombé dans le péché. Voilà. Alors, donc, ces deux verbes-là, servir et donner, se donner, partager sa foi, partager son amour. Dans le message que le pape François adresse à tout le monde aujourd'hui, puis spécialement aux jeunes, avec le thème que je vous ai mentionné tantôt, avec les jeunes, portons l'Évangile à tous et dans toutes les nations. Alors le pape nous dit ceci, chaque personne est une mission. Chaque personne est une mission. Quand j'ai lu ça, je l'ai relu deux fois, puis trois fois, plutôt qu'une, parce que moi, j'étais habitué à dire que chacun a une mission. J'utilise le verbe « avoir ». On a une mission, dans le monde. Mais c'est... Non, mais utiliser le verbe « être », chacun est une mission, c'est un plus. Justement, c'est dans la même ligne de ce que je disais il y a quelques instants. C'est qu'on ne fait pas juste donner des choses matérielles. On donne ce que nous sommes. Alors, si nous sommes une mission, puis notre mission, quelle est-elle? Bien, c'est d'actualiser, c'est de rendre présent aujourd'hui, comme Jésus, rendre présent l'amour du Père. La proximité que Dieu veut avoir avec les humains, avec chaque personne. Alors, chaque personne est une mission, nous dit le pape. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre décision, ce n'est pas nous autres qui avons décidé de venir sur la terre. Bien, ce fait-là, ça nous laisse entrevoir qu'il y a une initiative plus grande que nous, une initiative qui nous précède, qui nous donne d'exister. Alors, chacun de nous est une mission. Chacun de nous, donc, est appelé à suivre les traces de Jésus et reproduire dans sa vie ce que Jésus faisait. Puis c'est pour ça que c'est important de se poser souvent la question, puis de la poser à Jésus, « Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? » Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Puis si on demande à l'Esprit-Saint de nous éclairer, je suis certain qu'il va nous venir des bonnes suggestions. Ça ne tombera pas dans le vide. Le pape François, en s'adressant aux jeunes, il leur dit aussi ceci. Chers jeunes, on aime tous à dire qu'on est des jeunes de cœur. Hein?
Chers jeunes, n'ayez pas peur du Christ et de son Église. En eux se trouve le trésor qui remplit la vie de joie. Je vous le dis par expérience, donc il donne comme un petit témoignage, le pape François. Je vous le dis par expérience, grâce à la foi, j'ai trouvé le fondement de mes rêves et la force de les réaliser. Il ajoute, « J'ai vu beaucoup de souffrances, beaucoup de pauvreté défigurer les visages de tant de frères et de sœurs. » J'ai vu de la souffrance défigurer des visages. Cette semaine, dans l'émission Enquête, probablement que plusieurs ont vu. L'émission Enquête qui a porté sur le comportement d'un nombre de pères Oblats avec les Autochtones, la Brosse-Côte-Nord, puis dans la région de la Mauricie et autres. Les abus qu'il y a eu sur des jeunes et aussi sur des femmes enceintes. Alors, en écoutant cette émission-là, j'ai eu un haut-le-cœur. Ça me faisait mal, ça me faisait très mal de constater comment des personnes en autorité, des personnes qui ont pour mission de rendre crédible l'amour de Dieu, sa tendresse, sa bienveillance, ont abusé. Comme moi, comme je vous dis, ça me déchire le cœur, ça me gêne, j'ai honte de ça. Et puis, si j'en parle justement ce matin, c'est pour vous dire justement comment l'Église, actuellement, a pris des nouvelles mesures pour éviter que ces choses-là se reproduisent. Tout d'abord, l'Église maintenant a mis l'accent sur la protection des personnes vulnérables. Elle l'a toujours fait, mais dans ces cas-là, là, d'abuseurs, il n'est plus question de protéger qui que ce soit. Les abuseurs sont tout de suite dénoncés. Et puis, ils perdent, si c'est un prêtre, il perd sa faculté automatiquement de célébrer les sacrements. Même s'il n'est pas encore condamné, même si c'est dans l'état d'une allégation. Donc, un changement de pôle de la part de l'Église, et les derniers papes ont été très, très clairs là-dessus, tolérance zéro, et puis l'attention donnée aux victimes. Cheminer avec les victimes, les écouter, leur permettre de se dire, de se libérer de ce poids, de cette souffrance, de cette honte qu'ils ont. Donc, une attention donnée aux victimes, par de l'écoute, de la compassion. Suspension immédiate de celui qui est visé par des allégations. Et ensuite de ça, donner des moyens pour que les victimes puissent être guéries. Même si ça va être très long, parce que ce n'est pas des choses qui se guérissent là de avec une rencontre, avec souvent en le disant une seule fois. Alors, l'Église, donc, met l'accent sur les personnes qui ont été abusées pour les protéger davantage. Alors, le pape nous dit ceci, également, pourtant, celui qui vit avec Jésus, tous les baptisés, celui qui vit avec Jésus, celui qui a pris une option avec Jésus, quand il voit du mal, le mal est une provocation à aimer toujours plus. Donc, c'est en donnant de l'amour à ceux qui en ont manqué
ceux qui ont été blessés, leur donner davantage d'amour, d'attention, de compassion. C'est ensemble que nous avons la mission de porter l'Évangile à tous. Et puis, être missionnaire, n'est-ce pas de rendre proche l'Évangile? Et donc, l'Église rend l'Évangile du peuple auquel on s'adresse. Alors, et puis, l'Église, comme dit le pape François, c'est une figure qui reprend de temps en temps, dit l'Église est mère. L'Église a la mission de protéger comme une mère, de protéger, de prendre soin, de donner de la tendresse, donner des bons soins. Alors, quand on constate qu'il y a des faiblesses si fortes, si flagrantes, que le mal était si fort, bien c'est à nous et à nous tous. Moi, je vous en supplie, c'est à chacun de nous de se dire à soi-même, puis de se le dire aussi, se mettre d'accord, où il y a eu du mal, où il y a eu des erreurs, on va maintenant s'engager, on va maintenant donner de notre amour, on va donner de notre personne, de notre temps, pour écouter, pour nous faire proches, pour être compatissants. Chaque personne est une mission. Je pense qu'il faut, c'est une façon de le prendre. Chaque personne, donc, est impliquée, est invitée par le Seigneur, et on est invité à répondre à ça, de changer le mal pour le bien. Dans cette Eucharistie que nous célébrons ce matin, demandons à l'Esprit-Saint de nous donner ce courage, de nous donner cette audace, de nous faire proches des gens les plus vulnérables autour de nous, dans ceux qu'on rencontre, et puis pour pouvoir être des témoins de la bienveillance de notre Dieu auprès d'eux. Ce dimanche, cette journée mondiale missionnaire, que ça nous stimule à redoubler d'ardeur, redoubler nos efforts pour que l'amour triomphe partout et en tout. Seul l'amour ne passera jamais. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas hésiter à adresser des demandes à son Père qui veille sur tous ses enfants. Pour nous, pour ceux et celles qui nous entourent, pour l'Église et pour l'humanité entière, implorons-le avec confiance. De grâce, écoute-nous. De grâce, exauce-nous. Pour les missionnaires engagés chez nous ou à l'étranger, afin que l'Église les soutienne sur le plan matériel et spirituel,
Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous. De grâce, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ne cessions jamais de nous mettre au service les uns des autres, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous. De grâce, exauce-nous. Pour ceux et celles qui nous entourent, petits et grands, riches et pauvres, bien portants et malades, afin que nous reconnaissions en eux des frères et des sœurs à aimer et à soutenir selon nos possibilités, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous. De grâce, exauce-nous. Pour l'Église répandue partout dans le monde, afin que tous ses membres réalisent qu'ils sont appelés à imiter le Christ serviteur, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous. De grâce, exauce-nous. Pour l'humanité entière, afin qu'elle recherche sincèrement la paix et construise courageusement la fraternité entre les nations, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous. De grâce, exauce-nous. Dieu très bon, toi qui sans cesse nous rappelles l'importance de servir plutôt que d'être servi, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Comme tu as accepté, pour sauver le monde, la passion de ton Fils qui t'a glorifié, accepte, Seigneur, cette même offrande que te présente ton Église en prière.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Je prends la prière eucharistique numéro 2. C'est la deuxième prière que vous avez dans le prion de la semaine. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même comme évêque de ce diocèse et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et aujourd'hui, nous prions pour les défunts suivants. René Dubois, Alfred Rioux et son épouse. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui souffrent, sur les personnes qui ont été abusées. Nous implorons ta bonté également sur toutes les familles et les familles qui vivent des deuils difficiles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Calcutta, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu notre Père aime chacun de ses enfants et il attend de nous que nous ayons aussi son amour, ce même amour pour les autres. Alors, en pensant aux plus faibles, aux plus fragiles, à tous ceux qui souffrent, disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Thank you.
Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les hommes et les femmes, les jeunes qui ne te connaissent pas. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le prône pour ce dimanche. La lampe du sanctuaire brûle aux intentions en l'honneur de Marie qui défait les nœuds et aux intentions spéciales d'une paroissienne. À l'intention aussi de Ghislain Duguay et sa famille d'accueil et à l'intention de la famille Yves Brière. Prenez note qu'il n'y a plus de soirée de Sacré-Cœur les premiers vendredis du mois à la paroisse du Christ-Roi. Celles-ci sont remplacées par un temps d'adoration à chaque jeudi à 15h30, suivi de la messe de 16h30 à l'église du Christ-Roi. Pour ce qui est de la cathédrale, à compter du vendredi 2 novembre et à chaque premier vendredi du mois, se déroulera un temps d'adoration à 16h, suivi de la messe à 16h30. Vous êtes tous les bienvenus. Il y aura aussi une messe en mémoire de nos défunts, sera célébré le vendredi 2 novembre à la célébration de 16h30. Une invitation toute spéciale au kiosque missionnaire qui a été monté ici à ma droite. C'est une exposition très intéressante. Il y a tout un travail admirable qui a été fait de la part de Mme Noëlla Gravel sur les missions. Et ce sera à cet endroit jusqu'au 31 octobre. Bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.
pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie Aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.